Yves Sarro, défaite ce soir contre Bâle 3-1. Il a manqué beaucoup de réalisme au HCR en fait ce soir. Exactement. Je pense que c'est un des matchs où on a pris le plus de lancers au but. Le puck n'a pas vraiment tourné pour nous. Retour de lancer et tout ça. Je trouve qu'on a créé beaucoup d'occasions offensives. On a très bien joué, franchement. Je pense qu'on leur a peut-être donné le momentum ici et là sur quelques présences, sur des mauvaises relances de notre part. Mais à part ça, c'est nous qui contrôlons les jeux la majorité du temps ce soir. Puis c'est un de ces soirs que le puck ne rentrait pas. Puis on a fait encore une fois, malheureusement, un ou deux revirements trop. Et puis évidemment, le puck se s'est retrouvé dans le fond de notre but. On a eu quand même des belles choses avec le power play qui fonctionnait très bien. D'ailleurs, vous avez sorti le gardien pendant presque 3 minutes à la fin de la période. C'est quelque chose de positif à retirer aujourd'hui? Écoute, le power play tourne bien. On a eu des belles chances de marquer. Arnaud Montandon, je pense qu'il a manqué un ou deux cages libres sur une déviation de puck. Et puis, je me souviens, je pense que Perron a frappé une barre horizontale. Et puis finalement, on n'a juste pas été assez efficace offensivement. Encore une fois, on parle des statistiques avancées dans le temps. D'après ce que j'ai compris, à écouter les gens, les statistiques avancées n'étaient pas en notre faveur. On gagnait des matchs. Puis là, ce soir, on domine. Puis encore une fois, ça prouve que l'efficacité en avant du but, à l'entour du but, est très importante. Effectivement, c'est des petits détails, mais qu'il va falloir corriger pour la fin de la semaine. Vous recevez Ticino Rocket ici. Et puis dimanche, ce match à Liège. Exactement. Ticino Rocket, où on a été là-bas, puis on s'est fait prendre un peu par surprise. Faut être préparé. C'est une équipe qui travaille fort, puis nous, si on ne bosse pas pendant 60 minutes, ça va être compliqué. Puis évidemment, on a le derby dimanche. Fait qu'on a eu des joueurs de retour ce soir. Ils ne sont pas tout à fait en jambes, mais je pense qu'on a bien géré le banc. Tout le monde a touché la glace ce soir. On avait beaucoup d'énergie, puis j'espère qu'on va avoir la même énergie vendredi, et puis évidemment, contre Viège dimanche. Parfait, merci beaucoup, une bonne soirée.